sa licence de mariage. Il a l'expérience d'une fille de 5 ans. Quoi l'autre? Ben, il a cette baraque depuis un an et demi. Il se fait à peine 7 000 $ par an. Alors avec quoi il se paye ses deux bagnoles et les notes dans les boîtes de nuit? La Ford Sport est au nom de sa femme. La Comet appartient à son frère, Lou. Il fait ses classes à l'école des éboueurs de Ward Island. Il a été en taule il y a 2 ans. Voix de feu et vol. Cadillac noir. Plaque du New Jersey. RWM 264. Je reconnais ce coco-là, on l'a vu l'autre jour. Au motel à l'entrée d'autoroute. Je voudrais offrir un corsage comme le vôtre à ma petite amie, mais j'aimerais d'abord l'essayer avec vous. Vaudrait mieux que mon mari soit pas au courant. Oh, ça m'est bien égal. Vous feriez ça pour moi? D'accord. Combien vous me donnez? $50 l'heure. $50 l'heure? D'accord pour 200. La moitié. Vous me donnerez pas d'accord? Il est 1h30, je vous demande pas si vous. Vous travaillez par ici? Ah oui, juste en face. C'est la troisième fois de la semaine qu'il est ici. Mais, t'as appris quelque chose sur cet immeuble? Tout est correct. J'ai vérifié la liste des locataires. Tu te souviens de Ramesh, l'acteur? Il habite là. Quelqu'un d'autre aussi? Joel Webstock, ça ne te dit rien? Ah ouais, tu te fous de ma gueule? Lui aussi habite là. C'est lui qui a financé cette livraison en provenance du Mexique, de provenance. Ouais, ouais, c'est ce qu'on a dit. On va se faire opérer là-bas. Pourquoi il fait ça ce coin-là? Peut-être qu'il veut voir son frère. Merde. Ou alors il va faire une anti-livraison. Bon, ben il verra son nom. Toi aussi, entrez dans la cabine téléphonique. Allez, plus vite! J'ai pas. Gardez les mains sur la tête. Entrez là-dedans. Bon, face au mur. Les mains contre le mur. Et enfermez-vous là-dedans.
J'ai rien fait, je suis vierge. Tu tires le nard? Non, monsieur. Mets-toi là. Vous vous prenez peut-être pour James Bond, je vous dis que je suis vierge. Non, mais est-ce que tu te fous de ma gueule? Mais non, j'ai dit que j'étais vierge. Si tu mens, tu sais ce que tu vas prendre. Oui, hein? Je vous dis que je suis vierge. Oh, mais lâchez-moi, arrêtez de m'emmerder, je suis pas un enculé. Mais lâchez-moi, je suis vierge. Ça va, rentre là. Allez, donne-moi une pièce. Allons, passons dans une pièce plus vite que ça. Je vous dis que j'étais vierge, pourquoi vous n'arrêtez pas de me casser les pieds? Moi, j'ai je rien. Je vais casser quand devant, c'est que ça va. Ah, c'est bon Dieu de chiotte, ça sent drôlement la merde. Comment ça va, la vie? La vie, c'est la vie. Pourquoi j'ai rien trouvé ici? Cette canne, c'est du lactose? Y'a rien à vendre. Personne n'est garni. J'ai un nom pour toi. Sale Boca à Brooklyn. Boca? Oui. B-O-C-A. Jamais entendu parler de lui. Et à propos de sa femme, Angie? Ça me dit rien. Y'a un bruit qui court. À propos de quoi? Une livraison. C'est pour cette semaine, la semaine d'après. Tout le monde va faire le plein. Et qui va le porter? Qui peut savoir? Où est-ce que tu le veux? Mon poing sur la gueule. Ouais, c'est vrai. À ce côté-là. Cette adresse dans le monde, c'est si personne te connaît, attention à tes fesses! Je croyais que vous avez envie de rester là! Et toi, je dois réfléchir à ce que je t'ai dit. Maintenant, ça va, à bientôt! Allez, voyez-vous le tunnel. Dites à tout le monde qu'on reviendra dans une heure. Tout ça, c'est très beau, mais votre secteur, c'est Bedford, Stevesham, ça n'est pas Ridgewood. Mais alors, bon Dieu, fais ce qu'il faut pour nous détacher, laisse-nous tenter le coup! Il faut qu'on se rende compte si on est dans la bonne voie. Tout le monde.